Bon. Je dois ramener Ether à Gaïa. Varlezo m'attend près de la sortie ouest. Mais je pourrais d'abord retourner vers l'est, pour voir comment s'en sort Mélopé après l'attaque. Ou je peux continuer à explorer un peu ce site. Tu es sûr? Oui. Je crois que ce sera mieux comme ça. Après toi, Aloy. Il faut que je continue vers l'ouest. Pour récupérer d'autres composants de Gaïa. Pour la rendre plus forte. Vous pouvez rester ici en attendant. Gaïa pourra tout vous expliquer. Je n'essaie pas de vous chasser. C'est comme un entraînement. En fait, je retourne vers l'est pour voir Erend et le ramener. Écoute, les alliés, les amis, c'est utile. On va pouvoir rester ici. Et comme tu dis, Gaïa pourra nous aider, nous former. Ça va aller. Bon. Prends ça alors. Un pour porter. Et un de rechange. Tu vas avec lui? Non. Après ce qui est arrivé dans la grotte, je veux rester un peu ici. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Peut-être qu'à ton retour, j'aurai deux ou trois choses à t'apprendre. J'ai hâte d'y être. Tu reviendras quand? Je sais pas trop. Mais j'espère que j'aurai l'un des composants manquants de Gaïa. Sois prudente. Même à Mélopé, on entendait parler des terres Ténac malmenées par les tempêtes, les machines, et à présent, Régala. Ne t'en fais pas pour moi. Ça va aller. Bonne chasse, Aloy. Les terres des clans Ténac. Quelque part là-bas se trouvent trois des sous-fonctions de Gaïa, entre autres choses. Une bonne tenture. Thank you.
Cette machine résiste très bien au gel. Ça ne lui ferait rien. Je me demande à quoi leur servaient ces machines. Je sais pas trop quoi en faire, mais on sait jamais.
ancien monde dans la falaise. Je me demande ce qu'elle contient. Une sorte de tunnel. Je devrais aller jeter un œil. Une fleur de métal. Je pense pas pouvoir traverser ces lianes. On verra ça plus tard. Ça sert à rien, je peux pas passer à travers ces lianes. Je devrais revenir plus tard.